chante avec nous la chanson des aventures de Kid Danger. Je vais bien. C'est cool. Hey, vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. T'as été attaqué par Wahoo le pot punchy? Non, enfin, oui, il m'a craché des litres de jus de fruits à la figure. J'en ai encore plein les oreilles. Oh oui, c'est bien du Wahoo, je reconnais. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez fait pour deviner mon agression? On parle justement de Wahoo aux informations. Je vais monter le son. Pour ceux qui viennent de remonter le son, je le répète, attention, vos murs courent un grave danger. Tout à fait, Trent. En effet, il semblerait que l'ancienne mascotte des jus de fruits Wahoo, plus connue sous le nom de Wahoo le pot punchy, soit de... Pourquoi vous vous trémoussez? C'est ma jupe, elle est coincée dans mon siège pivotant. Je disais donc qu'il semblerait que Wahoo le pot punchy soit devenu incontrôlable. Carrément, il a étanché ma soif sans me demander la permission. Il y a à peine quelques minutes... Tout à fait, Trent. Monsieur Willard, l'adjoint au maire, inaugurait le grand mur de Swellview quand la tragédie a frappé. J'ai l'insigne honneur et l'immense joie d'inaugurer ce mur sans utilité. Je vous prie de m'excuser, l'un de vous aurait-il quelque chose à boire? J'ai la gorge asséchée par la soif. Préparez-vous pour une bonne rasade! Ce pichet mal embouché terrorise toute la ville. Oui, en effet. Mais pourquoi? Voici l'explication. Apparemment, c'est sur le tournage du dernier spot publicitaire pour Wahoo que la mascotte a pété les plombs. Regardez! Ma chère amie, ne trouvez-vous pas que ce petit goûter est un vrai régal? Oh si, mais j'ai une de ces soifs. Wahoo! C'est Wahoo, le pot punchy. Wahoo! Le pot punchy à la rescousse. Wahoo, le pot punchy, houa, hey! Vous ouvrez la bouche et votre soif... Votre soif? Oh non! Ça suffit, coupez! Et toi là, dis donc, t'es en plein dans le champ, je te signale. Désolé, j'ai changé cette ampoule. Ah ouais? Et elle était vissée où, cette ampoule? Dans ta narine? Parce que c'est là-dedans que t'avais le doigt. Allons, mon garçon, ne t'énerve pas comme ça. Calme-toi. Me dis pas ce que je dois faire, Bruce, tais-toi. En exclusivité sur Canal et Numéricable,